Je m'appelle Robinson Marguerite, je suis au Cambodge depuis quelques semaines. J'ai 29 ans. Me concernant, j'ai fait une formation commerciale surtout. Ensuite, rapidement, je me suis orienté vers le vin, dans l'industrie du vin. J'ai travaillé 2 ans en Chine, j'ai fait un VIE, j'ai représenté des domaines en Bourgogne et en Beaujolais. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai fait la même chose pour des domaines à Bordeaux. Aujourd'hui, me voici au Cambodge. Alors, ce qui m'a amené au Cambodge, il y a plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai toujours eu un attrait pour la Chine et l'Asie en général. Donc, ayant vécu pas mal d'années en Chine, disons que j'ai pris goût à vivre à l'étranger. Il fait chaud. il fait très chaud. Faut quelques temps pour le corps à s'adapter. Après, mes impressions, c'est vraiment, c'est bouillonnant de vie. Il se passe tout le temps quelque chose dans la rue, ça s'arrête jamais, que ce soit le trafic, que ce soit les commerces, que ce soit les constructions. Enfin, on sent que c'est un pays vraiment en effervescence. C'est vraiment ce qui frappe au début, et spécialement à Phnom Penh. C'est très fort comme impression. Donc je suis manager de l'établissement Monsieur. Monsieur, c'est un concept vin qui regroupe plusieurs aspects. Donc on est à la fois un importateur-distributeur. Donc on fait du B2B avec une sélection de vins français, plus de 150 vins. On est aussi un bar à vin. Les gens peuvent déguster nos vins directement chez nous. On est aussi un caviste, un wine shop. On peut repartir, on fait de la vente au détail pour nos vins. Et aussi et surtout, on est vraiment un centre événementiel autour du vin. C'est-à-dire qu'on a une salle dédiée, privatisable, avec des dégustations qui vont s'organiser régulièrement, des masterclass, dîners autour du vin avec des thématiques spécifiques, des cépages spécifiques, sur des régions spécifiques, sur des méthodes de vinification. On est un bar à vin, mais on est aussi un centre événementiel sur le vin, importateur, distributeur et caviste. Ce qui fait notre particularité, comme je vous l'ai dit, c'est l'approche globale autour du vin. Et surtout, l'idée, c'est vous venez chez Monsieur déguster du vin, c'est pas seulement consommer du vin, c'est vraiment aussi apprendre le vin. C'est-à-dire se former, comprendre l'art de la dégustation, comprendre comment bien lire une étiquette, comment servir le vin, comment faire les meilleurs accords mets-vins. Tout ça, en fait, on va proposer des services on va proposer cette formation, ce conseil. C'est ça vraiment qui va nous démarquer. C'est l'expérience et pas seulement la consommation du vin. Ça fait pas encore très longtemps que je suis là, donc je suis encore en train de prendre mes marques. Quand j'arrive dans un endroit que je connais pas, j'aime bien découvrir. Je prends mon scooter, je me balade, j'essaie de m'imprégner vraiment de la culture. Que ce soit à Phnom Penh ou dans la campagne environnante, j'ai fait pas mal, ça m'a pris pas mal de temps jusqu'à maintenant. Je fais aussi du tennis,
Après, bien sûr, découvrir la vie nocturne à Phnom Penh qui est somme toute trépidante. Mes premières impressions, voilà, c'est encore très frais, hein, je ne suis pas là depuis longtemps, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est cette effervescence, le fait, la sensation qu'ici, beaucoup de choses restent à développer encore. Je pense que le pays il y a 10 ans, le pays maintenant et le pays dans 10 ans, c'est trois choses complètement différentes. Cette sensation que voilà, il y a beaucoup de possibilités. Bien sûr, il y a des règles, mais elles sont encore en train d'être établies. Donc voilà, ça laisse le champ à beaucoup de choses possibles. Et voilà, un certain sentiment d'ouverture, de liberté. Voilà, faut y être pour le comprendre, pour le ressentir, mais c'est voilà, c'est mes impressions.